commande pour faire. Okay. Yo font ti commande et d'après information me prend qui d'ici demain pour le finir. Et yo gagne l'autre commande pour yo faire mais yo pas pour faire puisque yo gagne même problème là puisque en général l'état te doit pas payer yo. Donc ça veut dire nous dans situation côté que et moi pense que raté a fait commencer. Eh ben mais est-ce que c'est pas un raté qui planifie et selon ça tout le monde comprend. Moi je crois que c'est mauvaise gestion gasoline là. C'est mauvaise gestion gaz là parce que tant que vient passer c'est que nous avons une situation côté que gaz là devine même baisser sur marché international là et que l'État qui t'a géré gaz là lui-même à travers loi 2008 et sous question de BMPAD qui a gagné monopole question Petro-Caribéa, eux-mêmes ils viennent pas gagner Petro-Caribé, ça ils fait ils viennent bail monopole là à surtout en compagnie les Novum. Et l'État vient à payer Novum pour acheter gaz et pendant longtemps et ils viennent douer Novum puisque gestion ça a été un sujet très opaque. Là l'État vient où elle mêlé, ils viennent ouvert et gaz là, ils viennent libéraliser l'achat. Et le libéraliser, l'État est gagné des milliards de gouttes de dette. Donc, je dis, l'État parti à un déficit, et dans ce sens, à moi, je pense que gagner une répartition de prix qui était faite les Petro-Caribéa, moi, je pense que l'État est dû regarder le libéraliser là. Mais il y a même structure de prix et toujours dans ce sens, moi, les de mauvaise gestion. Et puis, qu'on y a, structure de prix qui est là, les Petro-Caribéa, c'est lui qui est au les libéraliser là. Et puis, ou après que même le gaz l'a baissé, eh bien, dans le bénéfice que aucun BA, eh bien, ça vient faire que, ou non, situation que l'État toujours dit le perdant, mais c'est une mauvaise gestion. Donc, moi, je crois que c'est un bagage pour vous regarder, et nous te proposons déjà, pour vous regarder. Regardez ce que tu veux. Regardez ce que tu dis, parce que normalement, nous pas qu'à arrêter pour ne dire que on est à passer ou à monter gaz alors que gaz l'a baissé. Donc, moi, pense que je dis, et là où regardez ce que tu dis, là, ça, tout le monde a partagé, baisse là. C'est bon, c'est le corps qui a partagé. Et dans ce sens-là, moi, pense que c'est même pas là, le coup, pas de leadership. La gestion pays a. C'est-à-dire que tout le monde a constaté, citoyen a constaté, le président a constaté, et puis tout le monde a plein. Alors que il y a les gouvernés, il y a les gouvernants. Les cap gouvernés, pays a faut le prendre responsabilité. Parce que l'exécutif est là pour gouverner, le législatif est là pour contrôler. Mais il y a un qui est là pour gouverner. Et ça cap gouverner, il faut le cap gouverner. Mais on est d'accord avec nous, que, le sénateur l'a entendu que. Je dis à l'État pas capable de continuer, donc à déficitaire, donc chaque jour, chaque mois. Bon, merci, Koloko. Dans tout pays, dans un pays qui a pour que gaz là, il n'y a pas de subvention par rapport à pouvoir d'achat population. Cependant, subvention, il est reparti en gens. L'État a décidé de subventionner les syndicats. Il a décidé de subventionner le transport public là. Il n'a pas subventionné tout le monde. Là, l'État a subventionné ni NEG qui a Delco qui a fonctionné là, ni NEG qui a pris le transport public là. Pour l'État garder qui catégorie l'a fait. L'a fait, très bien, très bien. Ah oui, parce que y a des gens qui sont faibles dans le pouvoir d'achat. Nèg qui n'ont pas 15 gouttes là pour prendre le transport. L'État qui a subventionné. Mais nèg qui ont gros tête bœuf qui a acheté gaz là. L'État qui n'a pas subventionné. Parce que l'État tellement arrivé à subventionner même Minijus. Minijus qui a acheté gaz là, l'État subventionnel. Donc moi je crois que je dis, on l'État organisé, à tête reposée, à dire mais comment m'a fait. Ok. Mais qui est-ce qui a de jeunes subventions? Mais qui secteur qui a de jeunes subventions et qui secteur qui n'a pas de jeunes? Exactement. Et là, ça, ou après que, dans tout pays en général, même quand on trouve ces domaines, il y a des transports publics, il y a des bonnes destinations. Donc de toute façon, nous parlons de l'Eurovision des prix et de l'analyse des prix, de toute façon. Oui, non, ça dit que. Ou pas aller dans, ou pas même manger prière. Parce que l'on pas manger prière. Et pas, parce que le reflet est sur le marché international là. Laisse ça, ou pas manger prise et transport public là. Très bien. Ou pas manger prise syndicat. Mais, t'as vu arriver locaux, le décision 6-7 juillet à te prendre. Bon, me rappelez nous. Laisse ça, me dépare la président. Moi, te dis, président, ou pas qu'à rentrer sous gaz là.
et pour pas rentrer sous gaz là et pour pas agir Jean Abagia. C'est un bagage qu'on a monté comme ça. C'est un bagage qu'on doit garder dans ce secteur et puis pour avancer. Mais le président n'a pas attendu. Il a monté gaz là. Si c'est du FS, il y a un déficit de confiance net dans le président par rapport à gaz. Eh bien. C'est ça qui est arrivé là. Un déficit de confiance pour deux bagages. Premièrement, j'ai le président Moutébouya et puis déclaration que le FLL était dans la campagne là, que le dit si vous montez gaz là, c'est criminel. Ouais, ça déclaration ça dans campagne là, même monde qui était dans campagne président dit ou sont ou agir très à la légère. Parce qu'on pas qu'à dire un bagage comme ça alors que l'on dans l'état on va gagner donner au monde. Donc je dis à ça mettez président non déficit complet par rapport à question ça. Mais n'a d'accord là et selon ça nous dit là que gaz argent là donc il y a des secteurs qui doivent subventionner et par rapport à d'autres. Oui, il y a ça pour subventionner parce que si vous regardez aujourd'hui, c'est tout secteur qui a même pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Donc, il faut catégoriser pour qu'on ait et qui sont en général subventionnés, qui sont pas subventionnés. Mais si vous arrivez à faire tout, vous agissez quand vous avez des cadeaux de 86 côté gaz là en général et des valations mono là pas comme ça. Le Sahara, où tu es presque un dollar pour 5 gouttes, tu es stable, où tu es capable de permettre ou faire des bagailles. Mais je dis, par rapport à Jean-Lier, il faut regarder la question et faut, en tant que dirigeant, moi, pas qu'à camper pour me répéter parole Jovenel Dédia sur mon gaz de criminel. Faut me garder la situation, les couches défavorisées, mon transport public, yo même pris au bas de monter. Oui, on va devoir garder. Donc, soit subventionné, c'est eux pour subventionner. C'est eux pour garder. Donc, dans ce sens-là, moi, je pense que c'est parce que pas de capacité managériale au niveau de l'exécutif là. Président a perdu et président a eu un gros déficit de crédibilité. Et c'est ça fait, Louko. L'homme de rejoindre l'opposition, moi, je dis, l'homme, on combine deux bagages à eux. Pas de bagages pour faire, allez-vous aller. Ok. C'est de l'attente sur même logique à Léa. Donc, dimanche dernier, rendez-vous, c'était Nami Balen à Roseau Plaza. Donc, nous lançons officiellement donc document de proposition qui c'est alternative consensuelle pour l'opposition en bloc. Yon seul bloc. Est-ce que je dis, nous avons parlé de l'opposition comme un seul homme? Nous avons parlé de l'opposition comme un seul homme, je dis. Moi, je pense que grand pile effort qui fait dans l'opposition pour nous arriver à une alternative consensuelle. Mais nous pas oublier qu'il y a d'autres partis. Zi parti de gauche qui au même tour yo une alternative et que nous continuons chita parler avec pour nous revenir seul. Ouais, parce que t'es gain parti qui t'est réuni coach Avanier Baptiste là dans papaye, yo même yo gain une alternative côté nous-mêmes n'a discuté avec eux. Mais pas oublier avant nous arriver là t'es gain au moins 4 ou 5 alternatives. Je dis à t'es gain toute alternative ça, t'es gain dizaine qui réunit une alternative consensuelle là. Qui fait que nous arrivons avec tête unique ça, que nous gagnons l'autre bord. Mais nous pas oublier que papaye, il y a les partis fusion OPL qui ont même à travail et qui a rapproché de nous pour que nous arrivions à un texte unique. Et me penser pour le moment, nous gagnons pile point d'entente entre deux groupes ça, c'est-à-dire le départ de Jovenel, la transition, le dialogue national, c'est peut-être une ou deux points que nous avons discuté avant que nous arrivions dans ce seul texte qu'on y a. Mais pour le moment, c'est que bon côté secteur démocratique là, eh bien, ils travaillent sur toute l'autre affilié que ont gagné, l'autre partie, fort tout le monde, pour réaliser un texte, parce que avant, en dehors de ce texte démocratique là, il y a plusieurs alternatives. Donc, je dis là, ils ont réuni et ils ont fait là, avec environ 80 ou bien 100 groupes. Donc, qui fait qu'il y aura un seul texte. Mais nous ne pouvons pas négliger que il y a pile l'autre secteur qui au même tout yo dans opposition qui au même à réfléchir et me penser marcher contre ça pour le fait pour que nous arrivions dans un seul alternative et un seul texte. Maintenant pour l'équipe de Papaye et sur la question de la Cour de cassation, comment vous prenez une question ça? C'est ça, yo même yo plus well na question au lieu de la Cour de cassation pour yo bon citoyen honnête et crédible. Ah bon, OK. Ouais. C'est ça. Au lieu c'est ça un juge de la Cour de cassation. C'est ça, yo plus aller vers un monde qui ta crédible et honnête. Il y a yo gain de tendance. C'est soit pour moi Famille Lavalas. Alors Isaïe que yo rejoigne Famille Lavalas. C'est ça. Donc, yo même, yo plus aller vers un monde ou bien vers un triumvirat. Ah bon? Ouais. Okay. C'est différent ça qui gagne. Mais après, sur l'autre partie, yo,
sous question de gouvernement, sous question de autorité de transition, yo gagne autorité de transition, yo est l'autre nom, mais c'est même organe là que yo gagne. Donc moi crois que différence ça c'est à niveau ça que lié et moi pense que c'est plus gros différence là que n'a pas travaillé pour arriver à une alternative commune. Bien. Après 8 mai donc maintenant qui fait de route que nous mettons tête non. Après 8 septembre. Après 8 septembre, pardon, oui. Qui fait de route nous mettons tête non. Après 8 septembre, la bataille l'a faite au niveau institutionnel et dans la OUIA. Ok. La OUIA a un calendrier de remobilisation qui va le lancer. Ok. Mais institutionnel là, c'est bataille dans le Sénat. Bien. Parce que on connaît opposition sénatoriale là, les logis. Les sorties de 5, nous passons environ 11 ou 12. Donc, je dis à moi, je crois que le Sénat a renforcé et bataille ça, il va le commencer dès demain. Oh, dès demain, très bien. Très bien. Est-ce que le sénateur Joseph Lambert rejoint nous? Au contraire, le sénateur Joseph Lambert, non seulement rejoint nous, mais ouais, vous mettez M. Joué avant de pointe dans l'équipe là. Avant de pointe. Bon, c'est sûr que vous n'avez pas de bagol. Ah oui, parce que vous mettez M. devant pour que le gars bagol. C'est-à-dire que son gros joueur est venu, nous va négliger, nous mettez l'opposition pour que le gars bagol. Eh bien, sénateur Lambert, tu m'as dit d'aller sans que je me pose une question ça. Hier soir, et sénateur Gaston Elva, je m'en continue d'attendre, donc il parlait en pile de où. Dans l'interview avec Gaïori, vous d'attendez. Bon, je m'attends de l'interview, mais le courant seul, mon Abdou, grâce à qui vous allez parler devant la justice, c'est un dossier devant la justice, c'est pas de moi que vous allez parler. Parce que Michel Alba, la juge, et pas moi-même. D'ailleurs, moi-même, moi, t'es deal. Non, mais le courant pas représenté là, de CBJ, et par le prochain an, non, selon le rapport. Bon, que le juge l'a dit ça, depuis de CBJ, il fait rapport. Là, le nom est juge. C'est juge là qui dit ça. Depuis le juge là dit ça, il n'y a pas de problème. Mais moi-même, je ne parle pas pour me parler. Gracia. Gracia qui voulait parler. Qu'on y a lui-même, quand il y a un rapport avec un rien, il y a un avocat, il va le devant le juge. Okay. Et à partir de ce juge là qui a décidé, moi-même, je ne parle pas rien. Et puis, je vais simplement rappeler, Loco, que le rapport ça a été sorti. Moi, je te dis, Gracia, à lire le rapport avant de parler. À Lille. Moi, je vais chercher le pour Lille. Parce que le bon rapport ça aussi, c'est au fond Lille. Lui-même, il va à Lille, il tombe joué. Et puis c'est qu'on y a la dit que le rapport n'a pas gagné là-dedans. Donc, tu vois, là où on a fait bailleur à l'envers, moi-même, je ne vais pas descendre dans le niveau qu'à niveau. Moi, je suis dans le niveau balcon que nous y a. Donc, tout ça, grâce à ce que vous le dites, que là, le défend ni devant le juge, et le juge a pris une décision, moi, je m'a informé. Il a écrit au président et au Sénat, le sénateur Calmé Akanta, pour annoncer le retour aujourd'hui, et son retour sera accepté. Mais, écoutez, bah, ça va être contradictoire. Il a écrit avant, vous le dites, la prise de décision de la justice. S'il te dit l'abtenne pour le prendre décision là, ici, c'est pas les coups écrits encore pour le dire que la retourne. Même si les ouais rapport à bagarre, il faut qu'on juge qui dit que le bagarre, et laisse à la retourne. Parce que, bon, le Sénat, c'est pas l'école des fans. L'école des fans, si vous n'êtes pas sorti. Mais le Sénat, il y a une règle. Si tu te dis, l'abtenne la justice, ou un rapport à bagarre, elle devant la justice, que ben, on résout, et puis laisse à la retourne. Mais sinon, écoutez, on connaît le coup côté sénateur là pour suivre le bac à l'école des fans. C'est clair, c'est clair, c'est clair. L'école des fans. Le sénateur là. D'accord, ok, bye bye.